matin. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué. Oui, que je tenais pour échouer. Mais quoi, tu t'es révélé à moi. Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es, tu es merveilleux, Jéhovah. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are marvelous. You are bigger than. You are bigger, greater, bigger, greater. You are excellent. You are marvelous. I say you are excellent, Jesus. You are marvelous. You are bigger, 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 bigger. You are bigger. You are greater. You are bigger, bigger. You are. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Lève la main, dis ça au Seigneur. Dis-lui. Tu es excellent. Oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tout le monde peut lever la voix ensemble. Dis-lui. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Nous déclarons que tu es excellent, que tu es merveilleux. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous déclarons que tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que tu peux l'acclamer? S'il est excellent, s'il est merveilleux, si pour toi il est plus grand que ce que l'on dit, donne-lui une plus grande offrande d'acclamation. Acclame encore, acclame. Maintenant là, on acclame Dieu. 2 secondes, on est fatigué. C'est lui qui nous a donné les mains que nous avons. C'est lui qui nous a donné les bras. Tu n'es pas manchot. Alléluia. Tu as tous tes membres au complet. Acclame-le, 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 acclame-le. Pendant que tu l'acclames, pousse des cris. Pousse des cris. Pousse des cris. Rebababa yende le broche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais 3 personnes ont dit amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Veuillez vous asseoir. Comment vous allez? How are you? Comment vous allez? How are you people? J'espère que vous allez bien. I hope you are doing well. Que le Seigneur multiplie sa grâce sur votre vie. May the Lord multiply his grace unto you. Et ça fait plaisir de revoir l'église et de se retrouver. And it's au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'église. To be back and meet you again. Alléluia. Amen. Et de voir que tout le monde est en bonne santé. And to see that everybody is que la main de l'Éternel a gardé chacun, ça fait plaisir. And the hand of Lord has kept cela. Everybody. It's Amen. So good. Amen. Merci, interprète. Il n'interprète pas seulement, mais il veille sur moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Il veut que je sois sans tache, ni ride. Comme ça, pendant que je prêche, si le Seigneur vient, il ne faut pas que je reste. Alléluia.
Amen. Paul dit avec tout ce qu'il a fait là, il traite durement son corps pour ne pas rester. I pray that I will not, I will be spotless. Ne jouez pas avec ça. Don't play with that. Tu peux rester. Ça dépend. Le jour là, quand il vient, tu es dans quelle position? So on that day of rapture, in which position will you be found? Ça qui va dépendre. It will depend. Donc faut être toujours. You have always to be ready. Faut être toujours. Tu es timide ce matin. You are so shy this morning. Faut être toujours. Vous ressemblez aux voitures où on tourne le moteur. Criqui, 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 criqui. On doit tourner longtemps pour que ça chauffe. Avant que... Mais Dieu va nous aider. Amen. Ok, je me suis absenté par la grâce de Dieu pour une cause noble, une mission. So, by the grace of God, I was not in your midst for a very noble assignment. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu tous ces dimanches-là. That's why you did not see me all the, these je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux celles. I bless the name of the, for the Lord qui ont pris the life of all those la peine de prier pour moi pendant qu'ils me voyaient pas. To pray for me as I was il y en a qui savaient, il y en a qui savaient pas. Some knew, but some did not. Mais vous avez prié pour moi. But you prayed for me. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless. Il y a trois maintenant, il y a trois qui ont prié pour moi. So three people answered. Vous avez raison, tu peux pas dire amen si tu n'as pas prié pour moi, donc faut te calmer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce abonde sur vous. And his grace abound upon you. Que Dieu bénisse ceux qui ont oublié de prier pour moi. And may also God bless those who forgot. À partir d'aujourd'hui, qui s'en rappelle. And for today on, let them be. Qui promet de prier pour moi? Qui promet de prier pour moi? Who promised to pray for the bishop? Il y en a qui me disent au revoir, c'est pas grave. Alléluia. Je crois que vous avez été bénis. I believe that you've been blessed par nos différents pasteurs. Through various pastors who pass qui ont fait here, le ministère, who exercise the ministry, le pasteur Stella Bedia, with our je pense pastor que vous avez été béni. Alléluia. Amen. Le pasteur, c'est quoi, Kadja Cré Antoine, and with pasteur Kadja, et l'apôtre aussi de. And l'Afrique du Sud from South Africa, qui est venu vous mélanger ici. And he came and put everything upside down. Que le Seigneur bénisse may the Lord ses serviteurs, his servants, et tous les vases qu'il a utilisés and all the vessels he used pour vous bénir. To bless you. Que ces paroles que vous avez reçues and this word you have received produisent let it produce des fruits en vous good fruits in you et des résultats and good results. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Touche ton voisin. Dis pourquoi touch tu dors. Your neighbor. Pourquoi tu dors? J'ai entendu quelqu'un dire je dors pas. Why are you sleeping? On est en Côte d'Ivoire. Dis à ton voisin pourquoi tu es moins comme ça. Why are you so moins? Vous avez vu personne a dit je suis pas moins. Alléluia. Que le Saint-Esprit. May the Holy Ghost. Alléluia. Nous remplisse et brûle en nous. Amen. Fill us and burn in us. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a encore un message pour nous. So today the Lord has a message once more for je us. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les frères et sœurs qui ont fait l'effort. I bless the name of the for the life of those who made the effort. De venir to come au jeûne de prière to the prayer and fasting period. Il y a quelqu'un qui m'a dit someone told me ah, papa, j'avais oublié. I have forgotten. Il dit, tu n'as pas de problème. So you don't have any problem yet. Sinon, tu ne peux pas oublier. Else you will not have forgotten. Le jour que ce sera chaud sur toi, toi, ce que tu as jeûné, it shall be tough personne you. Pour t'assister, you personne alone pour t'accompagner. Will be fasting. No one will assist tu vas voir, tu vas sentir comment ça fait. And you feel how it pendant qu'on peut se soutenir les uns les autres et puis as we can support quand tu vois les autres, tu es encouragé. And you see others, you are encouraged. Tu négliges, tu joues avec ça. You play with that. Archbishop, notre papa dit. Our Archbishop, our papa said. Life is not fair. La vie n'est pas juste. Oui. Don't play with life. Ne joue pas avec la vie. Otherwise, sinon, trois points de suspension. Alléluia. Amen.
Mais on a passé un bon moment de prière. So we spent a good time of prayer. Un bon temps dans la présence de Dieu. A good time in the presence of God. Alléluia. Amen. Et nous croyons and we believe que pour le thème qui a été donné, that for the topic that un ciel given, ouvert, open heaven, nous croyons we believe que nous sommes entrés dans une nouvelle saison that we have entered a de new ciel ouvert. Qui a dit Amen. Heaven. Amen? Dans une nouvelle saison de ciel ouvert. Et cela va se manifester and this will manifest dans ta vie, je le déclare. In your life, est-ce que I tu es venu avec une espérance? Have you come est-ce que tu es venu avec la foi? With faith? Est-ce que tu es venu ce matin avec une espérance? Have you come with an expectation? Est-ce que tu es venu ce matin avec la foi? Have you come with faith? Je dis que nous entrons I have par la grâce de Dieu we are entering by the grace of God. Alléluia. Amen. Dans une saison in a new season de ciel ouvert. Of open heaven. Quelqu'un déclare avec moi someone say with me ciel ouvert. Open heaven. Dis les cieux ouverts. Open heaven. Je t'ai pas entendu dire les cieux ouverts. I did not hear you. Open Alléluia. Heaven. Et je prie que cela arrive dans ta vie. And I pray that happen in et le your thème life. De ce matin c'est quand les cieux sont ouverts. And the topic for this morning is when heaven is open. Alléluia. Amen. Quand les cieux sont ouverts, when heaven is open, il se passe des choses. Something happens. Nous allons voir peut-être rapidement, j'en ai parlé dans la semaine. Des personnes pour qui les cieux ont été ouverts. Those for whom heaven et has le Seigneur been Jésus opened. A annoncé que c'est pour nous. And the Lord has qui announced that lui, for us. Et que désormais, and henceforth, nous verrons. We shall see. Alléluia. Amen. Nous allons expérimenter. We will experience le ciel ouvert. Open heaven. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Et nous allons voir aussi. And we also consider comment amener how to bring notre ciel our heaven à s'ouvrir. To be open. Et le ciel n'est pas resté fermé. And this heaven was not sur shut nous. Down. On us. Baisse la tête en prière. Let us pray. Alléluia. Amen. Baisse la tête en prière. Let us pray. Et dis. And say. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Prie pour le message. Pray for the message. Dis, Seigneur, utilise ton serviteur. Lord, use your servant. Conduis ton serviteur. Lead him. Dis, Seigneur, parle-moi. Speak to me. Au travers de ton canal. Through your canal. Parle à ma vie. Speak to my life. Parle sur ma vie. Speak over my life. Parle dans ma vie. And speak on my life. Parle-moi, Seigneur. Speak to me, Lord. Oui. Ouvre la bouche et commence à prier. Open your mouth and begin to pray. Les broches, candalaba. Je vous entends pas ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Lema barosh agadabara de yandarabras. Lekete leboranda kadabadabada. Shabadabadabada. Et que mata da bada bada bada. Le marabara bada gada boyanda la breche kete. Le masianda la barabada bada bros. Atara bada 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 bada. Candele boshi kete le bos. Mada bada 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 bada. E katura ba shekete. Rabada bada 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 brosha bada bada. Hese katala brosha da bada bada. La barakete le moshika tadabal. Le makora bashande kete debe. Le mashaka tadabrosia tabada. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Lord. Et fais-nous du bien. And do us good. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer une fois encore le Seigneur? Can you give a clap offering once more? Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 28. So let's turn our Bible to the book of Genesis 28. Nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Reading the word of God avec révérence. Respect and reverence. Amen. Genèse chapitre 28. Genesis 28. Nous allons lire. Reading. Ok, je prends déjà moi-même d'abord. À partir du verset 10. From verse 10. Un instant. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Mais avant de lire, attends. 10 to 17. Ok. Vas-y.
Assure-toi que ton micro est ouvert au moins. Jacob partit de Beersheba. Oui. Et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, mm-hmm. car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Mm-hmm. Il eut un songe. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Mm. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Mm-hmm. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Mais tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que quand on lit, tu écoutes? Est-ce que quand on lit, tu écoutes? Do you listen? Reprends encore le verset. Et voici. Et voici. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Mm-hmm. Et il dit. Il dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ton père mm-hmm. est le Dieu d'Isaac. Yeah. La terre sur laquelle tu es couché. Oui. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Mm-hmm. Amen. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Mm-hmm. Tu t'étendras à l'Occident. Et à l'Orient, oui. au Septentrion, yeah. et au Midi. Mm. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et en ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, mm-hmm. car je ne t'abandonnerai point mm-hmm. que je n'ai exécuté. Ce que je dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Reprends Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Quelqu'un dit ouvre mes yeux, Seigneur. My eyes, tu n'as pas Lord. Bien prié. Dis, ouvre mes yeux, Seigneur. Open my eyes, Lord. Amen. Amen. Il eut peur. Il eut peur. Et dit. Que ce lieu est redoutable. Wow. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Assieds-toi dans la présence de you Dieu. Amen. Visited. Amen. On va peut-être lire beaucoup de passages bibliques. Peut-être qu'on va. So we may read a lot. Les sauter, puis je vais les expliquer. Mais on verra comment Dieu va nous conduire. And we'll see how the Lord will lead us. Amen. Amen. Pendant qu'on est assis. As we are seated. Lis encore Genèse chapitre 7 verset 1. Je vais voir. So let's read Genesis 7, 1. Mm-hmm. Genèse chapitre 7 verset 11. So 7:11. 600 de la vie de Noé. Oui. Le second mois. Oui. Le 17e jour du mois. Oui. En ce jour-là. Yeah. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. 100 year of Noah's life yes. in the second month. The 17th day of the month, the same day where all the fountains of the great deep broken up and the windows of heaven were opened. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May the word, Lord bless his word. Dans Genèse chapitre 7 que nous venons de lire. So in Genesis 7 we just read. Il s'agit ici du temps de Noé. We're talking about the time of Noah. Le patriarche Noé. The patriarch Noah. Par qui Dieu est passé. Through whom God went pour racheter la terre, to redeem the earth, pour racheter le monde, to redeem the world, parce que Dieu avait prononcé son jugement, because the Lord has pronounced sur la terre à cause du péché, on the earth because of sin, de la terre qui était montée jusqu'à Dieu, and from because of sin that has
come from the earth up et to God. Dieu avait besoin de quelqu'un. And God needed someone. Devant et before, Noé s'est rendu disponible. Noah was made available. Si nous voulons bien voir les choses, if we have to consider things well, c'est là pour la première fois où la Bible nous parle clairement des cieux qui sont ouverts. And this is the very first time the Bible is, speaking about open heaven. Alléluia. Amen. Donc pour racheter la terre, to redeem the earth, et pour racheter aussi la race humaine, and to redeem mankind, il fallait que les cieux s'ouvrent. Heaven had to be open. Pour que Dieu fasse quelque chose de spécial. For God to do something special. Qui a dit amen? Who said amen? Tu n'as pas encore compris, mais tu vas comprendre. You have not yet understood. Alléluia. Amen. Depuis la création de la terre. Since the creation of the earth. Jusqu'à l'an 600. Until the 600 year. L'époque de Noé. On the day of Noah. Donc on va dire 600 ans. So 600 years. Il ne pleuvait pas. There was no rain. Il ne pleuvait pas parce que ce que moi je sais de pleuvoir, so as for raining, c'est que l'eau quitte là-haut. I mean you have water coming et tombe sur la terre. And coming down. Et on dit il pleut. And now we say it's raining. Mais quand l'homme utilise la fontaine, but when man pour faire jaillir l'eau de la terre, on ne parle pas de pluie. Up water, qui est d'accord avec moi? Lève ta main. OK. Et quand, depuis la création, since the creation, l'eau sortait de la terre water was steaming from the pour arroser les plantes, to water the plants, la Bible ne nous parlait pas de pluie. The Bible was not talking about rain. Mais en fait, c'est comme ça que la pluie venait avant. But it was as like lisez la Bible. L'eau, les eaux, bien l'eau sortait like de la terre. And water was c'est comme ça que les earth. Plantes étaient arrosées. And how, this is how the plants mais were watered. Comme la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, and as the Bible says, le royaume des cieux est forcé. John the Baptist, the kingdom c'est ainsi que nous God disons, depuis violence. Le temps de Noé, since the time of Noah, il a commencé à pleuvoir. Now it started to rain. Les cieux se sont ouverts. And heaven opened. Il a commencé à avoir un accès. And there was access pour que Dieu intervienne. For God to interfere. Qui a dit amen? Who said amen? Là, nous avons lu tout à l'heure que les cieux se sont fendus ouverts. And now heaven was pour que la pluie tombe. For the rain to fall. Pour sauver to save ce que Dieu a trouvé bon et juste. Those the Lord has pendant que son jugement s'abattait sur la terre. As the judgment pour of God exterminer was la terre. On earth, pour exterminer tout ce qu'il destroy a créé. Everything les animaux. Created, animals, les hommes. Men, tout. Everything. Et 8 personnes but 8 people ont été mises à part. Were set apart après ce grand déluge. After this flood, 8 personnes 8 people ont été mises à part. Were set apart par le ciel by heaven, qui a été ouvert. Who, which ma prière, my prayer, c'est que cette saison dans laquelle Dieu nous envoie, that this season in le ciel soit grandement ouvert pour le salut et pour la délivrance d'une famille ici présente. Si tu aspires à un ciel ouvert, si tu soupires après un ciel ouvert, que ton amen soit plus grand que l'amen de ton voisin. C'est par le ciel ouvert que la famille de Noé, that the family of ça Noah, veut dire Noé that Noah et sa femme and his wife et ses enfants et, and his children, et leurs conjoints. And all, I mean, si le ciel husbands, n'était pas ouvert, if heaven was not open, si Dieu n'avait pas manifesté sa miséricorde God failed par un ciel ouvert, through même cette famille allait périr. Even this family would have been perished. Mais quand Dieu a ouvert le ciel, but when God opened heaven, la famille a été épargnée. The family was je demande à Dieu dans cette prédication God, une saison de ciel ouvert. Open heaven, une période de ciel ouvert open heaven, pour ma famille, for my family, pour ta famille, for your family, pour notre nation, for our nation, afin qu'il y ait un rachat. So that there will be a redeem. Amen. Amen. Et là où and where quelqu'un qui était utilisé someone was used pour accomplir le plan de Dieu to accomplish the plan of God, ou bien pour susciter un peuple to raise a people, pour susciter une autre génération to raise a new generation, avec laquelle Dieu va travailler with which the Lord will work, je suis en train de parler ici de Jacob, I'm talking about Jacob. Alléluia. Amen. Pour intervenir to interfere, pour que ce peuple là naisse for these people to, I mean, come ce peuple devait naître dans le plan de Dieu and these people have to come in the par plan Jacob of God.
Through Jacob. Alléluia. Amen. Mais Jacob était menacé. But now Jacob sa vie était menacée. His life was threatened. Il était poursuivi par son frère. He was pursued by his Esaü, brother Esau. Qui pensait, who thought, qui pensait quoi? Qu'il avait volé sa bénédiction. Qu'il avait pris sa bénédiction. Donc il voulait le rattraper. Now he has to catch him et il pensait qu'en le tuant, and he thought that il pouvait récupérer him, cette bénédiction. Could, I mean, take mais back pour his le blessing. Délivrer, but to deliver him, il fallait que Dieu it took God ouvre les écluses des cieux open, I mean, pour changer heaven, l'ordre des choses, to turn around the pour order changer things, la donne. To turn around things. Qui a dit Amen? Said amen. Alléluia. Amen. Je prie I pray qu'à cause de quelqu'un ici that because of someone qui est here, dans le plan de Dieu, that is in the plan of God, qui selon le plan de Dieu, according to the plan of il God, doit t'utiliser he has to use you pour le salut de ta famille, for the salvation of pour le salut de l'Église, for your salvation pour of la délivrance church, de ta famille, for the deliverance of pour la délivrance de cette génération. For your deliverance of this generation. Et le diable, and the devil, sachant cela, knowing that, est après toi. Is, I mean, pursuing et les sorciers you, and wizards, dans la famille, in your family, les mystiques, the mystic au travail in the workplace, sachant cela that, se sont levés contre toi sont en réunion contre toi posent des pièges devant I mean, toi trap, que Dieu God, le Dieu que tu sers serve, le Dieu que tu pries le pray, Dieu que tu adores le Dieu qui t'a racheté pour te donner you, la vie éternelle eternal, ouvre les cieux heaven, et descende ouvre les cieux heaven, et intervienne interfere, pour annuler to cancel les plans, the plans de l'ennemi of the enemy, ou les attaques the de l'ennemi of the enemy, contre ta vie against your celui life, qui attend cela qui espie cela peut dire un amen pour déclencher cela peut dire un amen pour recevoir cela. Je suis là ce matin I'm here this pour parler à quelqu'un to talk to de la part de Dieu on behalf of the et Lord, te dire and to say que le ciel que tu vois that the que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, il peut s'ouvrir encore. Alléluia. Ce ciel-là s'ouvre. Je dis ce ciel s'ouvre. Tu le vois fermé. Il s'est ouvert dans le passé. À plusieurs reprises. Et Dieu m'envoie te dire, si tu crois, il peut s'ouvrir pour toi. Et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Mais ce matin, tu n'es pas encore prêt pour dire Amen et saisir la chose. Alléluia. Si tu crois, tu peux expérimenter le ciel ouvert et expérimenter la présence glorieuse de Dieu qui agit pour changer les choses. Noé a expérimenté le ciel ouvert. Jacob a expérimenté le ciel ouvert. J'ai envie de dire, Israël a expérimenté le ciel ouvert en la personne de Jacob dont le nom a changé et est devenu Israël. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont expérimenté le ciel ouvert, leur vie n'est plus restée la même. Leur vie a changé. Ce matin, pendant que je prêche, j'appelle le changement dans ta vie. J'appelle la transformation dans ta vie. En d'autres mots, en prêchant, je suis en train de demander à Dieu un ciel ouvert pour toi. Un ciel ouvert pour toi. Pour ta famille. Je suis en train de demander à Dieu un ciel ouvert pour notre époque. Pour notre génération. Afin que les choses changent. Pas comme nos ennemis veulent. Mais comme Dieu veut. Oh, qui a dit Amen. Pas comme la nature le veut. Mais comme le ciel le veut. Et comme Dieu veut, and as God wants it. Qui a dit Amen. Amen. Même notre Seigneur Jésus, even our Lord Jesus, alléluia, amen. Il a expérimenté le ciel ouvert. Open heaven. Ça a changé son ministère. And it turned around his ça a changé ministry. Sa vie. It turned around ça a changé life. Sa fonction. It turned around his et ça lui a permis and it allowed him d'accomplir to accomplish ce pourquoi il est né, what he was ce pourquoi il est venu for. Sur la terre.
Si le ciel est fermé sur ta tête, si le ciel est fermé sur ta tête, il te sera difficile d'accomplir ta destinée, d'atteindre tes objectifs, d'accomplir le plan que Dieu a tracé pour toi. Mais si le ciel est ouvert par la grâce et la miséricorde de Dieu sur ta vie, tes efforts physiques, tes efforts humains, tes efforts personnels seront inutiles. Mais la puissance de Dieu en toi ou bien au travers de toi va faire le travail. Alors, pendant que je prêche, je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu comprennes. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel et que tu aies la révélation. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es soif, tu soupires, tu désires un ciel ouvert, que tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que ce ciel en dessous de laquelle tu marches soit largement ouvert. Oh, dis amen, que Dieu entende ta voix. Dis amen, que Dieu te fasse grâce. Que dis amen, que Dieu te permet d'expérimenter cela. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que par la foi, en pensant à ce message, tu peux lever la main droite et déclarer un ciel ouvert sur ma vie. Open heaven this morning. Dis un ciel ouvert sur ma vie. Open heaven. Dis je déclare un ciel ouvert sur ma vie. An open heaven over my life. Alléluia. Amen. Quand nous voyons toutes ces choses, as we see all these things, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté. Many people experience le ciel ouvert. Open heaven. Parce que c'est l'une des manières aussi de Dieu de travailler et d'opérer. It's one way of God to operate. Que Dieu opère de cette manière dans ta vie. May God operate. Que Dieu travaille de cette manière dans ta vie. May He work in that way. Je dis que Dieu opère de cette manière dans ta vie. May He operate in that way. Et qu'il travaille de cette manière. And work on that way. Dans ta vie, afin que tu vois sa gloire. So that you see His glory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Allons-y avec Matthieu 3:16. Let's read Matthew 3:16. Allons avec Matthieu 3:16-17 et puis après on va prendre Jean chapitre 1 verset 51. Dès que Jésus eut été baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau, il sortit de l'eau. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et venir sur lui. And Jesus, when he was baptized. Le verset 17 dit quoi? Tu as lu? Et voici. Une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. And Jesus, when he was baptized, reste debout. Allons-y avec Jean chapitre 1, verset 51. On va enchaîner. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. This is my beloved son, in whom I have put all my Jean 1, 51. John 1:51. Et il lui dit. And he said unto him. Et le Seigneur dit, il parlait ici à Nathanaël. Talking to Nathanael. En vérité, verily, vous verrez désormais. I say unto Alleluia. You. Le ciel ouvert. Hereafter you shall see open heaven. Et les anges de Dieu montent. On va bien comprendre. Commence au verset 50 rapidement. Start rather with verse 50. Jésus lui répondit. And Jesus answered unto him. Jésus répondit à Nathanael. Vas-y. Parce que je t'ai dit que Because je t'ai vu. I said unto thee that I saw you under the fig tree. Tu crois. Believest thou? Tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Thou shalt see greater things than these. Amen. Amen. Dieu parle à Philippe. God is speaking il dit, to tu es, Philip. À Nathanael, pardon. Nathanael. Tu es quelqu'un qui n'y a pas de fraude. And someone in which there is no fraud. Tu mènes une vie de droiture parce and que ça va revenir righteous. Plus tard. C'est ce que je suis en train de dire. And what I'm saying, we'll see later. Mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu. But because I told you that et I saw you. Et je t'ai appelé you. Par ton nom, tu and crois. And I call you by your name, now you believe. Mais Philippe, tu verras de plus grandes choses. You shall see greater en d'autres termes,
In other celui words, qui marche dans la droiture avec Dieu est appelé à voir de grandes choses. To see un chrétien est appelé à voir de grandes choses. Christian is est appelé à voir la gloire de Dieu. To see the est-ce que je peux God? Me tenir à la chair ici Can I et déclarer sur ta vie que de cette moitié de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de plus grandes choses. Je ne sais pas ce que tu as déjà vu de janvier. What you have seen de janvier jusqu'à juillet. Up to July. Et aujourd'hui est le dernier jour de juillet. And today is the last day of July. À partir du 1er août. From first August. À partir de demain. From tomorrow. À partir du 1er août. From the first je prophétise. August, I prophesy, et je déclare sur ta vie. And I declare over your life. Ce que Jésus a déclaré what sur la Jesus vie de Nathanael. On the life of tu verras de plus grandes choses. Désormais, à partir d'aujourd'hui, parce que tu marches avec Jésus, parce que tu es fidèle au Seigneur, parce que tu es accroché à lui, parce que tu crois en lui seul, tu ne verras pas la souffrance, tu ne verras pas l'échec, tu ne verras pas la mort prématurée, mais tu verras des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu accomplir un miracle. Tu verras des prodiges. Et tu verras des bénédictions. Je prie que un amen retentissant sorte d'ici pour ouvrir le ciel au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur a dit à Nathanaël. Tu verras de plus grandes choses. Donc je te dis la même chose qu'il a dit. So I said the same thing unto toi qui m'écoutes, you listen to toi me. Qui entends ce message, you hearing this désormais, message. From today on, à partir d'aujourd'hui, from today on, tu verras de plus grandes choses que ce que tu as déjà vu depuis que tu marches avec le Seigneur. Quelqu'un lève la main et dit, je le crois. I believe it. Lève la main et dit, je le crois. I believe it. Lève la main et dit, je reçois. I receive it. Tu verras de plus grandes choses. You shall see greater things. Tu verras de plus grandes choses. Maintenant le verset 51. Verse 51. Là ce n'est pas spécifique. So now it's not tu verras specified. De plus grandes choses, c'est spécifique. Now you ça s'adresse à Nathanaël. He's talking to Nathanaël. Et je pense que je suis le Nathanaël de ce matin. I think I am. Et ça s'adresse à moi. Alléluia. To me maintenant il parle aux disciples et puis tous ceux qui l'entourent, au and peuple, à l'église. To all the verset 51. And those surrounding him. Et il lui dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, verily, wow. Verily, vous verrez désormais le ciel ouvert. I say unto you, hereafter you shall see open heaven. Je ne sais pas si tu entends ce qu'on lit, si tu comprends la parole de Dieu. Can hear and understand. Quand le Seigneur Jésus parle toujours, when the Lord is saying, il talking, dit en vérité. He said, verily, je vous le dis. I say unto you, en vérité. Verily, je vous le dis. I say unto mais you, quelques rares fois. But very scarcely, pour montrer que c'est établi. And to show that pour it montrer que c'est fixé. It is fixed, que c'est irrévocable. It cannot be removed. Celui qui croit and the one who believes verra cela shall see it et entrera dedans and shall come il dit into it, en vérité verily, je vous le verily, dis ça veut dire que même le diable you, ne peut pas changer cette vérité là il dit truth. Désormais see, hands vous qui croyez en moi those who believe vous in verrez me, de vos you yeux shall see with le ciel eyes, ouvert open heaven. Vous verrez les anges monter see vous verrez les anges descendent. Ça veut dire, vous verrez vos prières monter. Vos prières ne seront plus bloquées, ne seront plus suspendues, mais vont arriver au ciel. Et vous verrez les anges descendre. Ça veut dire que vous verrez l'exaucement de votre prière. Je déclare à quelqu'un ce matin, tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. Et pendant que les jours avancent, les semaines avancent, il y a des exaucements qui arrivent encore. Il y a des exaucements qui arrivent encore. Quand le ciel est ouvert, aucune prière, aucune prière ne reste sans réponse, sans exaucement. Alors je déclare, à cause de ce message, ton ciel ouvert. Ah, tu n'as pas compris. Ton ciel ouvert. Open heaven. Ton ciel ouvert. Open heaven. Ça veut dire que it means l'heure de l'exaucement a sonné. The time of
answer has come. Alléluia. Amen. Même Jésus, even Jesus. Même Jésus. Even Jesus. Alléluia. Avec toute l'onction qu'il avait. With all the anointing he had. Avec le statut particulier qu'il avait. The specific status he had. D'être fils de Dieu. To be son of God. Il avait besoin d'un he ciel needed ouvert. Open heaven. À plus forte raison toi. Lest you. À plus forte raison moi. Lest me. Nous avons doublement we besoin doubly d'un ciel ouvert. Open heaven. Je veux que quelqu'un lève les deux mains. So lift up two hands. Vers le ciel. And declare unto il heaven. Il dit Père. Father. Ouvre les cieux sur ma vie. Open heaven on my life. Et ouvre les cieux sur ma famille. Open heaven. Ouvre les cieux sur l'église. Open heaven. Ouvre les cieux sur mes affaires. Over my ouvre les cieux sur mon travail. At my workplace. Tout le monde dit ensemble Père. Dis Père. Ouvre le ciel. Il a promis. Alléluia. Amen. C'est une promesse. It's a promise. Il dit, je vous le dis. I say unto you. Jésus ne dit jamais ce qu'il ne peut pas Jesus faire. Jesus is not saying anything. Il ne dit jamais ce qu'il ne peut pas accomplir. What he cannot accomplish. Ce que sa bouche dit. What his mouth says. Sa main l'accomplit. His hand will accomplish. Et cette parole. And this word. C'est pour moi aujourd'hui. Is for me. Cette today. Parole. This word. C'est pour toi aujourd'hui. Is for you today. Désormais. Quand tu vas quitter ce culte, quand tu vas quitter cette église, et que tu vas partir à la maison, avant même de sortir d'ici, je vois la main de Dieu qui déchire, il ouvre les écluses des cieux, il ouvre le ciel, il ouvre le ciel, il ouvre le ciel, il ouvre le ciel. Tu vas sortir d'ici. Go out from here. Avec ce message, with this message, tu vas sortir d'ici go out sous from un here, ciel ouvert. Open heaven. Je ne sais pas comment tu es venu. I don't know how you came. Si tu es venu avec un ciel fermé, or even you came avec with un ciel heaven, sombre, with a je ne sais pas comment heaven, tu es venu. I don't know how mais you je came. Déclare I declare ce que le Seigneur Jésus a déclaré God has declared sur ses fidèles. Quand ils l'ont rencontré, he il said, dit, vous allez partir d'ici avec here, un ciel ouvert open à partir d'aujourd'hui. On, que ton ciel soit ouvert. Que la pluie de l'arrière-saison descende. The water of the latter que la manne descende. Let manna come down. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Assieds-toi. Le Seigneur s'est tenu devant la foule. The Lord stood before dit, the en vérité, je vous le dis. He said, verily, I say unto désormais, you, from henceforth, avec moi, Jésus, with me, Jesus, vous verrez le ciel ouvert. You shall see open heaven. Vous verrez les anges. You shall see angels. Quand le ciel s'ouvre, when heaven open, nos yeux s'ouvrent. Our eyes also on open, voit des anges. And we see angels. Je prie que dans cette période d'aujourd'hui, I pray that in this period, jusqu'à la fin de l'année, until the end of the year, Dieu te fasse voir des anges. God will see you, I mean, see angels. Que Dieu ouvre nos yeux. May God open heaven. Est-ce que tu sais que voir les anges, c'est voir Dieu? Seeing angels is to see God. Parce qu'on ne les voit pas comme ça, on ne peut pas les voir. Because we cannot see him, we just can't est-ce see que tu them. Sais que voir les anges, c'est voir la présence de Dieu. Seeing angels is to see the ce sont des êtres glorieux. And these are glorious des êtres beings. Saints. Holy. Purs. Pure. Magnifique. Magnificent. Alléluia. Amen. Tu ne les vois pas comme ça. You cannot see mais them quand just Dieu like te that. Permet de les but voir, when God allow you to ça veut dire them, que tu as été favorisé. That you have quand favored. Dieu te permet de les voir, when God allow you tu as trouvé grâce them, aux yeux de Dieu. You have found quand favor. Dieu te permet de les voir, when God allow you ça veut dire que ton them. Ciel vient d'être ouvert. Et cette année, le Seigneur a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter. Je déclare que tes yeux s'ouvriront de Jésus. Vois les anges. Il y a des gens qui sont chrétiens. Some are Christians. Mais ils sont spécialistes. But they are specialists. Dans le fait de voir les démons. And in seeing devils. Ils voient les démons partout. They see devils everywhere. Ils voient jamais les anges. Never angels. Démons, ils prient en langue jusqu'à. Ils sentent God. La présence des démons. Now we feel the presence of devils. Ils sentent pas la présence de Dieu. They not feel the presence ils sentent of pas God. La présence des anges. Even the presence of angels. Donc dans la prière même il a peur. So in the prayer he's afraid. In the name of Jesus. In the name the of blood Jesus. Of Jesus. The son de Jésus.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, sois délivré. Reçois un ciel ouvert. Vois les anges au nom de Jésus. Quand ton ciel est ouvert, when your heaven is open, aucun mari de nuit ne peut avoir le contrôle sur ta vie. No qui a dit amen? Aucune femme de nuit ne peut avoir. Alléluia. Parce que quand ton ciel est ouvert, tu ne vois aucun démon. Tu vois les anges, tu vois les archanges, tu vois les séraphins. Tu vois tous ceux qui sont dans la présence de Dieu qui descendent vers toi. Que cela soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Que cela soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Que cela soit ta portion à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis aide-moi, Seigneur. Lord. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Donc tout ce que nous avons vu montre que nous avons besoin. So everything we saw, d'un ciel ouvert. Nous avons besoin de travailler sous un ciel ouvert. We have to work under an open de faire heaven. Le ministère sous un ciel ouvert. And have the ministry under d'opérer an open sous un ciel ouvert. Heaven, to operate under an open heaven. Pour être fructueux et prospère. To be fruitful and prosperous. Alléluia. Amen. Je demande à l'Éternel qui nous a promis que désormais nous verrons un ciel ouvert. Who promised us that we'll see an experience que tu ne travailles plus sous la malédiction. That we'll no more work under curse. Que tu ne travailles plus sous la malédiction de tes parents. That we'll no more que tu ne travailles plus sous la malédiction de famille. And que tu ne travailles plus sous la malédiction under the curse des gens qui t'envoûtent et te lancent des choses. Those who are bewitching mais à partir d'aujourd'hui, but henceforth, comme la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets, word of God not quand tu pars d'ici, back to him without having travaille sous un ciel ouvert. And walk under an fais open tes affaires sous un ciel ouvert. And have your que ton mariage soit sous un ciel ouvert. Let your wedding que ta famille soit sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout le ciel a été fermé. Que l'Éternel dans sa miséricorde vienne ouvrir. Qu'il vienne ouvrir. Je dis qu'il vienne ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire it means que tu ne vas plus faire d'efforts en vain. That you will no more work in tu n'as pas compris. Il y a des gens ici qui travaillent dur. Some people work hard. Ils travaillent dur. They work so hard. La manière dont tu travailles, the way you work, tu dois être millionnaire à ce jour-là. So you should have been billionaire by this day. Mais tu n'es même pas centenaire. But you don't have any even 100,000 cifres. Ça va aller. Parce que ça n'existe pas. Tu n'es même pas centenaire. You don't have even 100,000. Tu dois être milliardaire. You should be billionaire. Mais tu n'es même pas millionnaire. But you are not yet millionaire. Parce que le ciel est fermé. Because heaven is closed. Mais pendant que je prêche, but as I preach, je suis en train de voir la miséricorde de I Dieu. I am seeing the mercy. Pendant que je prêche, of the je Lord, suis en train de voir la faveur de I Dieu se mouvoir au milieu de nous. And et pendant que j'annonce la parole de Dieu, je suis en train de voir la grâce de Dieu se multiplier. Pendant que vous entendez le son de ma voix, je suis en train de voir le ciel. I see le ciel, heaven, le ciel de heaven, Dieu s'ouvrit being open, et Dieu agit and God moving, en notre faveur. On our behalf. Quelqu'un dit merci Seigneur. Thank you, Lord. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. 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 Glory under our approach. Il y a un verset là qui nous montre que there's a verse showing us avant que les cieux s'ouvrent before heaven open des choses doivent être brisées. Things has to be broken. Pour ne pas que quand les cieux s'ouvrent so that when heaven will et que open, Dieu envoie la pluie and when God will send forth the rain la même pluie tombe sur ces choses là the rain qui sont un falling blocage on this thing will not be a hindrance dans ta vie in your life. Afin que quand la pluie tombe, as the rain falls, il tombe sur une terre saine. Come on a very good ground. Afin qu'il y ait une bonne production dans ta vie. And then there will be a good production in your life. On avait lu un verset qui dit, we read a verse reading, que les vannes de la terre se sont rompues ou explosées. That the pipes
of earth was broken. Les cieux s'ouvrirent. And heaven opened. Lis ma fille, lis Genèse 7 là, je vais voir. So let's read Genesis 7 verse 12. Il dit qu'est-ce qui a explosé? Genèse 7, 11. Genesis 7, 11. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Merci. Toutes les sources. Lis en anglais, mon ami. Genesis 7, 11. Toutes les sources du grand abîme. Quand on parle de l'abîme, c'est le lieu des ténèbres, des entités démoniaque, satanique. And the windows of heaven were open. Non, ça c'est ouvert. Avant ça, la phrase avant. And the great deep, c'est ça. Broken up. Yes, the great deep broken up. Alléluia. Amen. Et les grands abîmes, the les great grandes deep, profondeurs, the fountains of the great deep, se sont brisés, broken up, pour que la source puisse jaillir. That's, d'accord? I mean, the donc quand ça s'est brisé, qu'est-ce qui s'est passé? And the windows of heaven were open. Alléluia. Amen. Tout ce qui retient ton ciel fermé. Anything that keep on closing your heaven has to be broken. Doit être détruit. That's to be doit être déraciné. Be uprooted. Afin de libérer les vannes. Now the fountains. Alléluia. Of the great deep. La Bible dit il envoya sa parole. He sent for his word. Sa parole les guérit. And his word mais je déclare ce matin qu'il envoya sa parole that he sent for et sa parole word. Brisa les œuvres des ténèbres dans votre vie. Et sa parole brise les chaînes. Sa parole brise les chaînes. Les portes des reins. The brass les gates. Portes en fer. Wooden gates. Qui empêchent iron gate, les vannes de s'ouvrir, that prevent les barrages de s'ouvrir, I mean, for fountains pour que la fontaine ou bien l'eau jaillisse. So that water will come maintenant out. Que Dieu now God annonce announces les cieux ouverts, open heaven. Maintenant qu'il nous a promis cela, now that he has promised que us, tout lien dans ta vie any, soit I mean, brisé au nom de Jésus. Que la parole de Dieu que tu entends brise les liens, brise les forteresses, brise les hôtels qu'il y a dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Qui a dit amen et reçoit sa délivrance. Alléluia. Amen. On va avancer pour terminer. Let's proceed. Alléluia. Amen. Un ciel ouvert. An open heaven. Qu'est-ce qu'un ciel ouvert? What is an open heaven? Allons-y avec Psaume 78. Let's read Psalm 78. Rapidement. Je disais qu'on avait beaucoup lu, mais il y en a qu'on va sauter. Psaume 78, versets 21 à 25. L'Éternel entendit et il fut irrité. Écoutez bien ce passage-là. So listen well. Therefore the Lord heard this and was wroth. Ça a une grande relation avec Jean chapitre 1 verset 51. So he has a great relationship with John 1 51. Où le Seigneur dit. When the Lord said. Désormais. Henceforth. Il dit en vérité désormais. Verily, verily, I say unto you. Souvent Dieu décide d'ouvrir le ciel pour nous. Very time the Lord can open heaven for us. Mais nous ne croyons pas en cela. But we don't believe in it. Et qu'est-ce que ça provoque? And what does it bring? Et là on va trouver qu'est-ce and que here, le ciel ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est what quoi? Does it mean? Allons-y. Open heaven. Un feu s'alluma contre Jacob. So a fire was kindled against oui? Jacob. Et la colère s'éleva contre Israël. And anger also came et c'est la colère de Dieu. Israel. Vas-y. That was the wrath of God. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Because ooh! They believed not in God. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. And trusted hey! Not in his salvation. Il commanda aux nuages d'en haut. Though he had commanded the cloud from above. Et il ouvrit les portes des cieux. And opened the doors of heaven. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. And had rained down manna upon them to eat. Il leur donna le blé du ciel. And had given them the corn of heaven. Ils mangèrent tous le pain des grands. Man did eat angels' amen, food. Amen, 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 amen. Faut poursuivre la lecture à la maison. Amen. Que amen. Dieu te bénisse. En anglais, on dit qu'ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Donc,
they believed not in God, though he had commanded the cloud from above opened the doors of heaven. Wow. Bien que Dieu ait commandé au ciel though the Lord has de commanded heaven to open pour son peuple dans le désert, for his people in the wilderness, où il n'y a pas à manger, il n'y a pas de gaz, il no n'y a pas no de pot, il n'y a pas de charbon. There's no charcoal. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de marché. There's no il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de boutique pour acheter des marchandises ou bien des habits ou des chaussures. And nowhere la Bible dit Dieu a shopping. Commandé au ciel the Lord has de s'ouvrir. Les anges montaient and avec leurs besoins. Les anges descendaient avec leurs besoins. C'est-à-dire ils répondaient à leurs besoins. Donc ils avaient la manne. So they had manna. Alléluia. Amen. Les oiseaux tombaient seuls, ils n'ont pas besoin and, de tirer sur I mean, eux, de faire des pièges. Down, les cailles, les cailles. I mean, qui connaît l'histoire? Les cailles. Whales. Tu peux dire oiseaux, frère. Alléluia. Les cailles tombaient. I mean, les oiseaux tombaient. Ils les prenaient sans effort. Ils allaient manger. And they could but take them. Still. Though they were not. Non, j'ai dit still, pas dit still. Droit. Okay. Alléluia. Mais ils so, n'ont toujours pas eu confiance. There were no more. I mean, ils they were not murmuré. Trusting. They murmured. Dieu n'aime pas quand tu n'as pas confiance en lui. God does not Dieu n'aime like pas quand tu you n'as pas ta foi en lui. Him. Tu peux dire not j'ai not la foi, mais dans ton cœur, c'est autre heart, chose. Something tu else. Peux dire j'ai la foi, you can say mais dans ton attitude, in your attitude, c'est une autre attitude. Something else. Ça provoque la colère de it Dieu. Can stir up the anger of ce God. Matin, this morning, si tu entends ce message, if you hear this message, que la main de l'Éternel the hand of the Lord, enlève l'incrédulité de ton cœur, enlève le doute de ton cœur. Enlève l'hésitation remove de ton cœur. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Said, que amen. Le doute ne soit plus ton partage. No que l'incrédulité ne soit plus ton partage. La Bible dit, the Bible says, c'est celui qui croit the one who believe, qui verra. Shall see. C'est ça? Amen. C'est celui qui croit is the one who believe, qui verra. Who shall see. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. You shall see the glory désormais, of God. Vous verrez you shall see le ciel ouvert, heaven open, les anges monter angels et descendre. And down. Ça veut dire que it means, désormais, si tu crois, if you believe, si tu as la foi, if you have faith, quand c'est impossible, when is it quand possible, c'est bizarre, when it's quand fear, c'est compliqué, when it's complicated, mais tu crois now you believe, malgré tout, despite it mais tu all, as confiance en Dieu and trust God, malgré tout, despite mais all, tu espères and en lui. Mais tu t'attends en lui. Tu verras le ciel ouvert. Tu verras les anges agir. Tu verras Dieu se manifester. Si tu crois. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a reçu quelque chose? Donc ça veut dire. Paul dit. Paul said, nous ne marchons pas par la vue. Parce que ce que je vois dans ma vie, là, ça because me fait what peur. I see in my life is fearful. Je ne sais pas comment demain sera. I don't know when tomorrow, mais je what marche tomorrow will be. But par la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc même si mes yeux ne voient pas, ce n'est pas un problème. Mon cœur a confiance en Dieu. Mon cœur croit en Dieu. Et quand Dieu voit une telle attitude, il est obligé de descendre. Et pour descendre, il doit ouvrir le ciel. Et quand il ouvre le ciel, son cortège angélique le précède. Je déclare à un enfant de Dieu qui a foi en Christ, qui croit en Dieu, qui a confiance en lui, tu verras aujourd'hui même la gloire de Dieu. Tu verras aujourd'hui même le ciel ouvert. Tu n'as jamais vu le ciel ouvert. Mais à partir d'aujourd'hui, tu verras ton ciel ouvert au nom de Jésus. Restez sur le dernier verset de tout à l'heure là. Qu'on a lu tout à l'heure, qui nous parle des portes ouvertes rapidement, rapidement. Open heavens. C'était là tout à l'heure, vous avez changé. So, Psalm 78:22. C'est ça? Ok, il dit quoi? Quoi qu'il a commandé aux nuages d'en haut, et ils ouvrirent les portes though des cieux. Though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven. Les cieux ouverts, les cieux ouverts. Open heaven, open heaven. Le ciel ouvert, c'est quoi? So what is open heaven? Ici, il parle des portes. Now he's talking about doors. Quand vous prenez Malachi 3:10. So when we talk about Malachi 3:10. Il dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas and now les you see,
the gates, les écluses. The gates. Mais en anglais, c'est the windows. The gates. The wind, non, en anglais. Ça, ici c'est gates. Malachi, c'est windows. Ok. Alléluia. Amen. D'accord. Amen. Donc ça vous dit quoi? To say, ciel ouvert. Open heaven. Les cieux ouverts. Open heaven. Parle de portes. Talk about gates. Doors. Parle de fenêtres. Talk about windows. Ouh. Qui parle de portes? Who speak about a door? Qui parle de fenêtres? Or a window? Parle d'une maison. Talk about a house. Ça peut être une chambre. It can be a room, a chamber. Ça peut être le salon. It can be the sitting room. Le lieu saint. The holy of holies. Ça peut être une chambre. It can be a chamber. Le lieu très saint. The holy of holies. Ça peut être un entrepôt. It can be un entrepôt a warehouse. Portes, à des fenêtres. It can be a warehouse. Là où Dieu a stocké les bénédictions. But where the Lord has bestowed your blessing. Ton ciel ouvert. Your open heaven. C'est ta porte. Is your gate. Est-ce que ta porte est ouverte? Is your gate open? Mais aujourd'hui. But today. Où Dieu. When God. Te dit que tu verras le ciel ouvert. Is telling you you will see open heaven. En d'autres termes. In other words. Il te dit. Is telling you. La porte qui est fermée. The closed door. Les portes qui sont fermées devant gates toi. That are closed before désormais, you. Hence par la foi que tu as en Christ. Through the faith you have in him. Il n'a pas parlé de clés, hein. He has not talked about keys. Par la foi. By faith. Tes yeux. Your eyes. Verront les portes s'ouvrir. Will see gates open. Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent sans clés? Have you seen gates open without keys? On peut ouvrir. That we can open. C'est ça? Yes. Mais aujourd'hui. But today. Peut-être à cause de l'évolution, because on a compris que we have seen that il y a des portes. There are some doors. Quand tu viens, when you come, il ne se soucie pas de savoir si tu es le propriétaire ou pas. I mean, he doesn't care whether you are the owner or not. On voit ça dans les supermarchés. We see it in supermarkets. Quand tu arrives, when you la porte arrive, s'ouvre. The gate open. Tu te sens un boss. Attends, je viens, la porte s'ouvre seule. So the gate is open by itself. C'est ce que Dieu va faire. And this is what the Lord pour is toi, about to do à partir de maintenant. From heaven, là où il y a les trésors. Là où il a préparé quelque chose pour toi. Et l'ennemi a fermé. Et les hommes ont fermé. Et les situations ont fermé. Le Seigneur va ouvrir les cieux. Les portes vont s'ouvrir. Les fenêtres vont s'ouvrir. Les chambres vont s'ouvrir. Tu vas avoir accès au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un. Alléluia, le ciel ouvert. C'est le synonyme de là où tu n'avais pas accès. Dieu va te donner accès à cet endroit. Alléluia. Là où tu ne pouvais pas aller, Dieu lui-même va te faire aller là-bas. Là où tu ne pouvais pas entrer. No more access. Malgré tes diplômes, malgré tes connaissances, malgré ton argent, Dieu lui-même, alléluia, si tu lui fais confiance, si tu crois en lui, il va ouvrir cette porte. Ton ciel ouvert, c'est la porte qui est devant toi, qui est restée fermée. Mais ce matin, le Seigneur t'a envoyé ici pour t'annoncer que cette porte-là s'ouvre d'elle-même. Lui-même, il ouvre la porte. Est-ce que tu es dans la joie? Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Les écluses. Ah! Rebroche, catalabré. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu as besoin. You need. Hey, regardez ce que Paul dit. Écoutez ce que consider Paul dit. What Paul said. Il dit il a été ravi au ciel. So he has been, taken up to heaven. Yeah. Et puis il a passé un ciel. And now he went un deuxième ciel. A second one. Et un troisième ciel. And a third heaven. Tout ça nous montre que and all this le ciel est divisé en compartiments. That heaven is divided in compartment. Alléluia. Amen. C'est divisé. It's tu n'as divided. Pas besoin. You don't need. En tant qu'homme, as man, Dieu est trop grand. God is son so ciel big. Est trop grand. It's so big. Tu n'as pas besoin que tout le ciel you s'ouvre. Don't need all the heaven to be pourquoi? Open. Why? Tu veux mourir ou tu veux vivre? What do you want to live si toutes on? Les bénédictions tombent sur toi, so ça va te noyer. These blessings come on you, tu as besoin qu'une fenêtre you just les écluses.
les écluses. The window. Tu as besoin d'une fenêtre. Just a window. Ce matin, je suis venu te dire. Morning, tu as besoin que Dieu ouvre une petite fenêtre. Que God Dieu fasse un trou. Window. Sur le ciel qui est sur ta tête. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ne demande pas tout le ciel. Regardez le peuple de Dieu. Consider the people en of captivité. God. In captivity. En esclavage. In slavery. Emprisonné. When they were in jail. Colonisé. Colonized. Par les Égyptiens. By Egyptians. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Quand Dieu, when je God, viens, quand Dieu s'est levé dans sa colère, when God wake up in his wrath, donc, sous le ciel de toute la Côte d'Ivoire, là, donc sous le ciel de tout l'Égypte, and under the heaven of all the Egypt, toute l'Égypte, Egypt, Dieu a gardé un petit endroit, so he left a small qu'on appelle place, Goshen. That was called Goshen. Il a ouvert une fenêtre, and he opened a window pour son peuple. For his people, pendant que les sauterelles, as the les mouches, worms, les grenouilles, the flies, l'eau qui devient du sang, les premiers nés mouraient, il y avait quoi encore? Les ténèbres, il y avait quoi encore? Pendant que les dix plaies frappaient, si Dieu ouvrait tous les cieux, if God opened même l'Égypte allait être protégée, even Egypt had been protected, il a ouvert une fenêtre. He opened just a window. Quand il n'y avait pas la lumière when there was en Égypte, no, I mean, il y avait la lumière light à Goshen. There was light in quand les gens pleuraient Goshen parce que les premiers-nés mouraient, when people were crying en Égypte, dans la petite ville Egypt, ou le quartier in de Goshen, city of Goshen, les gens célébraient l'Éternel. Les gens the bénissaient. Pendant people que les premiers nés mouraient, les gens accouchaient pour la première fois. Quand le ciel s'ouvre, il n'y a plus de stérilité, il y a la productivité, il y a la fécondité et il y a la prospérité. Que le Seigneur ouvre une fenêtre pour toi. Ah! Ce matin, une petite fenêtre, Seigneur. Lord, ouvre une fenêtre. Open a window. Faut entrouvrir, faut entrouvrir. Just a window. Ouvre un peu. Open nous, pas beaucoup. Small. Je veux cette petite fenêtre-là. This small window. Ma vie, my life, ma famille, my family, mon ministère my ministry, ne seront plus jamais les mêmes. No more be the same. Une fenêtre. A small window. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Oh, dis bien, aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Dis, aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Oh, je veux t'entendre plus fort. Aide-moi, help Seigneur. Me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, when heaven, heaven écoutez-moi opens, très bien. Listen up. Tout ce qui est fermé, everything which is closed, s'ouvre par ricochet. And ups, opens automatically. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, c'est comme les effets, les dégâts collatéraux. It's like les effets collatéraux. Oui. Collateral effects. Le ciel s'ouvre en haut. So heaven opens above. Ta porte fermée en bas s'ouvre. And your closed door below opens. Je peux boire un peu? Can même the si vous dites non, non, je veux boire. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, when heavens open, aide-nous Seigneur. Lord, help us out. Okay, il y a beaucoup à dire, on va sauter. There is much to say. I have to skip. Tu peux faire sur la terre ici en sorte que, and you can make sure that in ton earth, ciel s'ouvre, your heaven opens. Et quand ton ciel s'ouvre, and when it is open, ce que les hommes ont fermé ici, what man closed down in earth, ce que les situations ont fermé, what situation closed down, ce que le diable a fermé, what the devil closed down, s'ouvre, will open automatically. J'espère que j'aurai le temps d'expliquer cela. Maintenant, I hope I will be able to finish. Je vais dire une dernière chose de ce que le ciel ouvert est. And I would like to say something else about. J'avance pour terminer dans les 5 prochaines open minutes. Open heaven and then. Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Oh. Le ciel. Donc son bon trésor, c'est quoi? So the Lord shall open to you his good treasure, heaven, the heaven.
L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Oui. Amen. Le ciel. The yeah. heaven. Pour Donc, vas-y. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. And yes, to give Lord. The rain into your land in its season. Et pour bénir tout le travail de tes mains. And to bless Alleluia. All the work of your hands. Tu prêteras à beaucoup de nations. And you shall ah, lend bon? To many nations. Et tu n'emprunteras point. And you shall not borrow. C'est bon. Tu as trop dit, c'est bon. Le reste, on va aller à la maison. We'll notez, Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, verse 12. Read on. Comment la Bible a appelé le ciel? And how did the God, the Bible call heaven? Your good treasure. Son bon trésor. Il n'a pas dit son trésor. Hein. He said his son meilleur. He said his good treasure. He didn't say bon his treasure. His good. Je t'ouvrirai. I will find mon bon trésor qui est le ciel. My good treasure which is heaven. C'est ça, non? Amen. Le ciel. Heaven. Pour envoyer à ton pays, wow. And it will La send, pluie en son temps. It will give to et the pour bénir le travail de tes mains, tu prêteras beaucoup de nations your land et tu n'emprunteras pas. You shall lend to many nations and you Après shall ça, not borrow. Après ça, je m'arrête. Je vais continuer dimanche prochain. And I will continue the message dimanche next prochain, Sunday. Je vais prêcher sur comment ouvrir. And I will teach you how to open your heavens. Mais tout à l'heure, le ciel ouvert, c'est la porte. But the heaven is your door. Le ciel, heaven, c'est les écluses, donc like les fenêtres. The windows of heaven. Le ciel aussi pour Dieu, heaven, c'est in the son eyes of bon God, trésor. Can be his good treasure. Son grenier. And his barn. Où il a tous les meilleures choses. When he have the best things. Qu'il a réservé pour ses enfants. In store for his children. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Deutéronome 28, Deutéronome 28 appelle les cieux ouverts is calling, le bon trésor de Dieu. God's good treasure. Alléluia. Amen. Et dans son trésor, and in that treasure, il y a la pluie qui vient en son temps. You have in due season rain. Pas de sécheresse. No drought. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Are you with me? Dans le trésor, dans un ciel ouvert. So an open heaven. C'est aussi une bonne saison. It's also a good season. La pluie qui vient son temps. Il y a des moments où la pluie doit venir, vient pas. On a connu ça, non? At times the rain may fall, but it's not in a good season. Il a plu beaucoup tous les mois, sauf en juin. Last year it rained a lot, except in June. Mais cette année la pluie, la saison s'est rattrapée. But this year the rain Souvent caught tu up. Sens que c'est ton temps. At times you can feel tu that it is your time. Tu sens que c'est le moment. It is the right tu time. Tu sens la chose venir. You can feel it. Tu sais que tu as tout fait. You know that you've done it Même all. Même on signe le document pour toi. When they sign Même the document on te for promet. You, and they make a promise. Le temps arrivé mais la chose n'arrive. When the time comes, it is not accomplished. Mais le ciel ouvert. When your heaven is open, c'est la bonne saison. It's the right season. Quand le ciel est ouvert pour when toi. When heaven is open for you. Ta bonne saison ne te dépasse pas. Your good season does not bypass tu ne rates pas ta bonne saison. You don't miss your good Je season. Déclare sur quelqu'un ici. I speak over you. Après ce message, et ce right que after tu ne rateras pas ta bonne saison. You shall not miss out tu saisiras ta bonne saison you will grab et it. Tu expérimenteras la grâce and de Dieu. You shall experience God's Qui a dit Amen? Amen. Avant de décortiquer ça et puis on termine. So L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, so the Lord le ciel, pour envoyer la pluie. The heaven en son temps. To send the rain in his season. Alléluia. Amen. Le ciel ouvert qui est. So open heaven. Le bon trésor de Dieu. Is God's good treasure. C'est la pluie de Dieu. Is God's rain. Quand il y a la pluie, il y a pas de sécheresse. So at during. Quand il y a la pluie, il y a pas de manque. In the rainy season, there Beaucoup is no. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de drought, pluie. There is no lack. Patrick, ils n'ont plus de pluie. Some no, have no rain. Ils n'ont plus de pluie qui tombe sur eux. They have no rain falling Leur over vie spirituelle est asséchée. Their spiritual life is Leur dry. Mariage est asséché. The wedding is dry. Leurs affaires sont asséchées. The business is dry. La famille est asséchée. The family is les dry. Relations avec les enfants sont asséchées. Relationship with children is Ce dry. Dont tu as besoin, what you need c'est le bon trésor de Dieu. Is the good treasure Ce dont of God. Tu as besoin, what you need c'est que Dieu is that God ait pitié de toi have mercy et qu'il ouvre on le you ciel and open et qu'il envoie quoi and send what? La pluie. The rain. Est-ce que lui-même ne parle pas de la pluie de l'arrière saison? And he speak about the latter rain. Il parle de la gloire de la première maison. And he talk about Il parle de la pluie qui va tomber sur la maison. The rain that will fall sur on la the famille, house, on sur the family, le mariage, on marriage, sur le travail, on work, sur la nation. On nation.
que cette pluie dont tu as besoin, that rain you have need of, le Saint-Esprit l'envoie ce matin. Be brought by the que le Saint-Esprit l'envoie ce matin. This morning. Que le Saint-Esprit fasse descendre la pluie de l'arrière-saison. Let the Holy Ghost afin que tu rentres dans une autre dimension de tes affaires. Over your business, over your family. Le bon trésor de Dieu qui est le ciel ouvert. God's good treasure which is open heaven. C'est la bénédiction du travail. Is the blessing of the work. Il dit quoi? And he said, et pour bénir to bless tout le travail de tes mains. All the work of your hands. Quand le ciel est ouvert sur ta tête, sur when ta tête, heaven is open over your head. Tout ce que tes mains touchent prospère. All that your hands tout ce que tes mains touchent marche. Is prosperous. Tout ce que tu trouves à faire avance. Is working. Et quand c'est fermé, is progressive. But when it is closed, malgré ta science, regardless your understanding, malgré ta connaissance, regardless of your knowledge, tu peux pêcher toute la nuit. You may sin throughout the night. Aucun poisson. No, you may fish. Mais quand le ciel s'ouvre, no fish. But when heaven opens, selon les experts, en plein midi où il y a pas de poisson, according to the experts at noon, parce que le ciel est ouvert, because heaven is open, tu jettes ton filet, you throw your net, tu peux plus retirer, and you cannot les cast, poissons débordent, and the fish mais c'est la portion de quelqu'un, c'est ce que Dieu va commencer à faire dans la vie de quelqu'un après ce jour. Qui a dit amen? Amen. C'est ce que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie après ce temps. This is what will quelqu'un do dit je reçois this season. Au nom de Jésus. Amen. I receive. Alléluia. Amen. Dis le bon trésor de Dieu. God's good treasure est ma portion. Is my portion. Et il dit, and he said, tu prêteras, you shall lend, à beaucoup de nations, and to many nations. Et tu n'en prêteras pas. C'est là qu'on termine. And you shall not borrow. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, quand tu tends la main, when you stretch your hand, ce n'est pas pour mendier, it's not to beg, c'est pour donner, to give. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, ta vie devient comme Bartimée, and you become like quand ton ciel s'est ouvert, when his heaven Jésus was open, est passé là où il s'assoit tous les Jesus jours pendant des années, where he used to sit for many years, et sa vie n'était plus jamais and la même. His life was never the same. Il a été changé de mendiant, and he was turned from a beggar, à quelqu'un qui célèbre Dieu et qui sert Dieu, into a celebrating quand and ministering sous, person. When heaven opens, c'est la délivrance des dettes, and you are delivered from indebtedness. Je déclare ce matin, I declare, que toute personne endettée ici, that any in person obtient in la délivrance au nom de Jésus-Christ. You shall be delivered. Que toute dette acquitte sur ta vie. Any debt in your que life. Toute dette libère ta vie. Any debt parce que le Seigneur dit, tu verras désormais le ciel ouvert. Donc ton ciel est ouvert. When your heaven is open. Les dettes s'arrêtent au nom de Jésus. And there is no les more dettes debt. S'arrêtent au nom de Jésus. And it stops. Tu sais ce que je demande pour toi ce matin? You know, what que is Dieu my prayer fasse for en you? Sorte que may God make sure soit un, that number one, tes dettes soient annulées. Your debt be canceled. Je pensais que tu allais dire amen. Je reprends ma bénédiction. Je regarde ici. Ou bien deuxièmement. Number two. Il a récupéré. I took ou bien deuxièmement. Number two. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur fasse que may tu sois Lord tellement sure béni that you are que so tu payes tes dettes et tu ajoutes même un pourcentage. That you pay your debt and que you le Seigneur fasse que tes dettes soient annulées au nom de Jésus. Rate. Qui a dit amen? May the Lord make sure ouvert, that your debts are canceled. Tu deviens une source. And you become a blessing. La Bible ne dit pas que tu prêtes à quelqu'un, mais tu prêtes aux nations. The Bible says that you don't lend to someone, but quand to le ciel s'ouvre, when heaven opens, tu n'es plus dans la dimension locale. You are not no more localized. Tu es dans la dimension pas nationale, mais des nations. But you go international. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, oh my Dieu, my God, tout change. Everything about you changes. Ce matin, this morning. Que ton ciel s'ouvre. May your heaven open. Et que ta dimension change. And may your dimension change. J'ai dit que ton ciel s'ouvre. Let your heaven open. Alléluia. Et que amen. Ta dimension change. And may your dimension change. Tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. You become a blessing to your family. Pour ta génération. To your generation. Pour ton église. To your church. Et pour ceux qui sont dans le besoin. And for the needy ones. Lève les mains. Lift up your hands. Dis Seigneur. And say, oh Lord. Donne-moi un ciel ouvert. Give me an open heaven. Ouvre le ciel sur ma vie. Open heaven. Dis je refuse. I refuse. De partir d'ici.
to leave this place. Sois un ciel fermé. In je pars avec un ciel ouvert. I go with an open heaven. Dis Seigneur, Lord, je retiens ta parole. I bear in mind your qui word. Qui dit, saying, qu'à partir d'aujourd'hui, starting from today, je verrai le ciel ouvert. I shall see an open heaven. Tiens-toi debout, lève ta main. Please rise to your feet and lift up your hands. Tiens-toi debout, lève ta main, lève ta main. Rise to your feet. Alléluia. And lift up your hands. Dis, je déclare. I declare. Sur la base based de la parole de Dieu, on the word of God, que désormais that now, mon ciel est ouvert. My heaven is open. Je dis mon ciel est ouvert. My heaven is open. Mon ciel est ouvert. My heaven is open. Je marche. I shall walk. Dis fort, je marche. I shall walk. Sous un ciel ouvert. In an open heaven. Je travaille. I shall work. Sous un ciel ouvert. In an open heaven. J'opère. I shall operate. Sous un ciel ouvert. In an open heaven. Dis merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que tu ouvres le ciel sur ma vie. For open heaven. Acclame le Seigneur et puis dis-lui merci. Give him a clap of offering. Acclame, dis-lui merci. Thank you. Acclame, dis-lui merci. Say thank you. Parce que tu crois qu'il ouvre le ciel pour toi. Thank you, Lord. Parce que tu as la foi qu'il ouvre le ciel pour toi. And our faith is open. Oh Shabbala. Shanala Breche que tu es. Oh, acclame et puis remercie le Seigneur. Dis mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oui, ouvre les écluses des cieux. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open the floodgates. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Oh Lord, let it rain. Somebody say open. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Ta main. Ce matin, le Seigneur ouvre le ciel sur notre vie. Lève la main, lève la main. Lift up your hand. This morning, the Lord is opening heaven over our lives. Il ouvre le ciel pour changer les choses. And to change things. Il ouvre le ciel pour ramener l'ordre. And to restore order. Nous voyons que quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, les choses ne sont plus les mêmes. Things are no more the same. On voit que les choses changent. You can see that things have changed. Il y a une transformation. There is transformation. Il y a un changement. There is a change. Il y a des bonnes choses qui arrivent. And good things happen. Il y a des choses inhabituelles qui arrivent. Unusual things happen. Les anges qu'on n'a pas l'habitude de voir, on les voit. And angel can now be seen. On les voit opérer. They can operate. En montant et en descendant. Ascending and descending. On entend la voix de Dieu. You can hear God's voice. Quand le ciel s'ouvre. When heaven opens. On a l'approbation de Dieu. You have God's approval. Que notre ciel s'ouvre. Let your heaven open. Et que la grâce de Dieu descende abondamment. Let the grace of God come down bountifully. Les bénédictions de Dieu descendent abondamment. Let his blessings come down bountifully. Que la puissance de Dieu descende Let fortement. His power come down bountifully. Que la gloire de Dieu descende au milieu Let de the glory come down in our midst. Et que ta vie ne soit plus jamais And let your life be turned around. Ce matin, je prie pour toi. I pray for you this morning. Que le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici Let dans sa présence, God who took you in his presence today, change les choses autour de toi. Change things around you. Qu'il change ton atmosphère. Let him change your atmosphere. Et qu'il change ton ciel fermé. And let him change your closed heaven. En un ciel ouvert. Into an Je open prie. Heaven. I pray. Que la situation, that your situation, la condition, your condition, dans laquelle tu es venu, in which you came, ne soit plus la même. Be no longer the same. Qu'elle change, qui a dit amen? Let it change, let it change. Qu'elle change, qui let a dit change, amen? Let it change. Qu'elle change, qui a dit let amen? Let it change. Les brosakata. Merci.
Que ton problème change. Let your problem be fixed. Que ta condition change. Let your condition be changed. Que tes dettes changent. Let your debts be settled. Que tes blocages changent. Let your roadblock be removed. Que tes oppositions changent. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lève les mains. Lift up your hands. Quand les cieux se sont ouverts au temps de Noé. When the heaven opened in the days of Noah. La pluie est tombée 40 jours 40 nuits. Rain fell for 40 days and 40 nights. La Bible dit la hauteur des eaux. And the height of waters. A couvert les montagnes. Covered mountains. Englouti les montagnes. And also swallowed up mountains. Ça veut dire quoi? What does that mean? Quand Dieu ouvre les cieux. When God opens mountain, the heavens. Tu n'as pas besoin que les montagnes soient aplanies. You don't need the mountain to be leveled. Tu n'as pas besoin que la montagne soit déplacée. You don't need mountain to be removed. La montagne disparaît dans les eaux. But the mountain will fade la les montagnes qui sont waters, les oppositions et les obstacles. Which stand for opposition and roadblocks. Disparaît dans le mouvement de la présence de Dieu dans they la manifestation will disappear de Dieu. When the presence of God is manifest. Que toute montagne qui se tient devant toi. Let every mountain standing before you. Soit englouti au nom de Jésus. Be swallowed up. Soit submergé au nom de Jésus. Be overwhelmed. Que tu ne vois plus ces montagnes à partir d'aujourd'hui. You no longer que tu to ne see vois them. Plus ces montagnes à partir d'aujourd'hui. You no longer to see them. Que Dieu fera un chemin devant toi. May God pave a way before you. Amen. Je veux dire à quelqu'un, I would like to tell somebody, à partir de ce matin, starting from this morning, Dieu fera un chemin. God is opening a way. Yeah. Dieu fera un chemin devant toi. God is opening a way before Dieu you. Un chemin. God is opening quelqu'un a way. Ouvre un chemin pour moi. Lord, open a way for me. Tu peux chanter, ouvrir un chemin, nous allons prier. Ou bien, God will make a way. Que ce soit ta prière. Tu vas partir d'ici, tu vas voir ce miracle à s'accomplir. Let this be your prayer. You shall leave this place and experience that. Lève tes mains, juste une minute. Lift up your hand for a couple of minutes. Lord, we make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Alléluia. He will make a way. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. He will be après ce God. Dimanche. Hold me closely. Est-ce que tu m'entends? Dieu va ouvrir un chemin pour toi. With love and strength for each new day. Là où c'était sec, he will il ouvrira make un chemin a pour way. L'eau. Pour l'eau. Pour la dernière fois, God will make a way. God will make a way. Adore-le avec ce chant. Where there seems to be no way. He works in ways. He works in ways. He works in we ways. Cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oh. Hold me closely. Yes, Lord. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Ouvre un chemin. Ouvre un chemin. Là où il n'y a plus de chemin. Je ne vois pas où il conduit. Je ne vois pas yeah. où il conduit. Mais il trace mon chemin vers lui. Dieu sera mon guide. Il sera mon guide. Qui me garde près de lui. Yes, Lord. D'amour de force. Il m'environne. Il ouvre mon chemin. Le Seigneur ouvre un chemin pour toi. Acclame-le bien fort. Il y a un chemin qui est ouvert pour toi. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Il ouvre la voie. Il ouvre les portes. Il ouvre les fenêtres. Il ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Salut cinq personnes.
dit, Dieu ouvre un chemin pour toi. Dieu ouvre une porte pour toi. Ton ciel est ouvert. Dis à quelqu'un, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Ouvre mon chemin. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Please take your seat in his presence. Prends ton offrande. And please take the Lord's offering. Amen. Amen. Prends l'offrande du Seigneur, c'est bien dit. Take the Lord's offering.